Hey! Salut, salut YouTube! Voilà, alors c'est Cat Game Clight. Ce soir, on est parti comme vous pouvez le voir sur Battleborn. Alors, je suis actuellement en compagnie de Quentin. Quentin, Salut, voilà. salut, salut, salut. Qui vous pouvez voir déjà beaucoup plus joué que moi. Alors, ouais, clairement, j'ai fait que la première mission du tutoriel. Mais voilà, je voulais vous présenter un petit peu Battleborn. Donc, voilà, on va jouer hein, tranquillement tous ensemble. Et on verra ce que ça va donner. Donc bah je te suis Quentin, qu'est-ce qu'il faut C'est bon, on faire? est ready, on est Ouais, on est parti. ready, on est parti, je sais pas du tout Alors, quel c'est parti. perso. Sachant, t'as jamais joué du coup? Non. Vite teuf. Vite fait. Vite teuf. En multi ou pas? Non, jamais en multi. Alors. Mais je vais En gros. découvrir sur le tas, hein. Eh ben, en gros, t'as deux types. T'as duel, qui sont des trucs assez standards. Et après, t'as des trucs plus à objectif. Qui sont du coup dans Match Rapid, puisqu'il y a tous les modes et toutes les cartes, donc du duel et autres. Ouais, Donc, on fait le pour normal, commencer, on va le faire basique. duel. Ouais, le Voilà. basique, genre LoL le C style, toi-même tu sais. sur 5 lanes, sur 3 lanes. Trois lanes. Ok, bon, ouais, on fait le Et MOBA voilà. classique. C'est parti. On est chaud la prune. Alors, Battleborn, qu'est-ce que c'est? Parce que c'est vrai que là, on attend donc un match trouve. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un. C'est-à-dire, c'est dans un TPS, dans un FPS. Il est en première personne ou il est en troisième? Il est en première personne, je crois. C'est en première personne. Première personne. Ouais, première personne. De type MOBA. Alors, non, c'est très bizarre. Non, c'est que. C'est un mélange entre Overwatch et LoL. Ouais, voilà, c'est ça. C'est les deux combinés. Ça vous donne ça. En gros, c'est. Ce En que j'ai gros, pu voir, en c'est. fait, il On y a voit. des lanes, il y a des vagues de minions qui arrivent. Et vous êtes en FPS, vous devez farmer, gagner d'XP. Vous avez des sorts qui se débloquent. Avec des ADN, vous pouvez améliorer en fait certaines compétences. Vous avez le choix Ouais, c'est entre ça. deux améliorations à chaque fois. Voilà. Un petit peu comme HOTS en fait, vous améliorez des talents Ouais, c'est à ça. chaque level. Mais là, vous avez que deux possibilités. Et du coup, enfin, je pense que pour certains personnages, c'est pour s'orienter peut-être dégâts et heal par exemple. Ouais, Moi, c'est je. ça, en général, ça rajoute des aspects. Mais c'est vraiment comme HTS, c'est-à-dire que ça peut rajouter vraiment des aspects au sort. Par exemple, je sais pas, faire des dégâts sur la durée. Ou par exemple, s'il y a un double saut, permettre de faire des esquives, enfin, genre de choses. Voilà. Donc, c'est assez intéressant, mais du coup, ça oblige à connaître un peu ses personnages. Voilà. Chose que Mais bon. je ne connais, que je n'ai pas. C'est pas grave, tu vas prendre les persos sympathiques au début. Mais non, mais il y a des persos assez faciles à jouer au début. Et puis, de toute façon, c'est un peu comme LoL, c'est-à-dire qu'au début, tu joues safe, ça se passe bien, et c'est à partir du niveau 2, 3, enfin, ouais, 3, je vais dire. Ça commence à se friter un peu plus sévère. Ok, ben on Mais verra du ça. coup, Hein. voilà, au début, il vaut mieux la jouer tranquillou. Les parties, à peu près combien ça dure de temps, les parties, c'est que. C'est plus. Alors, c'est. Je sais plus combien c'est, mais il me semble que c'est plus long. C'est clairement plus long que Overwatch. Alors, après, je Ouais, sais ben on verra, plus. Je on pense peut pas. faire Non, un alors, truc il me semble. forcément Par contre, plus rapide. il me semble que c'est à peu près comme HTH dans les 20-30 minutes. D'accord, bon, et eh ben écoute. On verra. On verra ça si on arrive Après, je à pense trouver une que ça dépend game. du niveau des joueurs. Parce que des fois. Oui, bon, avec mon level 2, je pense qu'on va pas forcément tomber sur des gens de type très haut Pro. level. Bah, si on trouve des joueurs, ça peut être bien aussi. Ouais. Alors, aussi, alors il y a plein de personnages. Alors, je crois qu'il y a des personnages gratuits. Il y en a qu'on peut acheter aussi, je crois. On peut aussi acheter des skins ou des trucs comme ça. Il me semble des armes. Alors, ça, bah, attendez. Est-ce qu'on peut regarder un peu? Parce que là, c'est le changement. Il n'y aurait pas vraiment grand chose à faire. Historique des matchs, extra. C'est dans extra, peut-être, non? J'ai Deux. peur de cliquer, ça va peut-être quitter, je sais pas. Ah non, pas alors. Ouais. Extra, il n'y a strictement rien du tout. On peut pas voir les différents personnages, les classes? Bah pas pour l'instant parce que tu les choisis après. Ouais, Enfin, soit mais. au Ou non, début. soit, genre. Ah oui, au début, on peut regarder par contre tous les personnages qu'il y a. Oui, Ouais. j'espère bien, Alors parce attends. que sinon. Ok, bon. Je Mais rentre. ouais. Non mais là c'est bizarre, ça met vachement de temps. Il n'y a pas forcément beaucoup de monde, hein. Oui. Donc, ah, bah voilà, il faut dire ça, faut Ouais, râler mais c'est toujours pour. comme ça. Alors là, voilà, donc là par contre, il y a des cartes et on vote pour les Ok, cartes. donc Donc quelle est. sachant Vas-y, que dis-moi quelle est la moi, meilleure. ça ne me dit rien du. À part en Très bien. fait, Outback, il me semble que j'ai déjà Bah, fait. on va faire ploum On va ploum, les suivre gens. Allez, Outback et hop. ploum ploum. 1, 2, 3, ce sera que je vais choisir. Allez, les temples. Ah, bah, c'est tombé là-dessus. C'est tombé là-dessus.
Alors Ploum Ploum, c'est un truc que soit vous avez jamais entendu depuis la depuis votre primaire. Non, c'était Plouf Plouf. Plouf Plouf, ouais, Ploum Ploum, ouais, c'est bon, c'est pareil, hein, c'est la même. C'est dans le même sac, de toute façon. C'est le truc débile où en fait finalement tu t'arrêtes là où t'as envie de t'arrêter. Parce que comme c'est mathématique, il y a un nombre de syllabes données. Ok, alors là on est de choix des personnages. Alors, là ça va pas être les mêmes, les mecs. Ça va pas être les mêmes. Alors. Du coup, moi. Je vais prendre... Il y a le champignon qui a l'air stylé. Merde, il a déjà été pris. Ah, bah, alors voilà. On a droit alors à ça en personnage gratuit et tout ça, c'est payant. Je sais pas si ça tourne un petit peu ou pas. Alors, c'est pas. Enfin, c'est pas exactement payant parce que là, du coup, c'est une grosse différence, c'est que tu les débloques soit en gagnant des niveaux, soit en remplissant certains objectifs. Alors, j'imagine. Oh, Orendi, elle a l'air stylée. Alors, le petit lutin. Alors, Orendi, elle fait mal. C'est un DPS en gros. C'est des gros AO de pute qui font assez mal si tu les casses bien. Mais voilà. Mais c'est assez squishy. Ah ouais. Alors, il y a il y a une archer. Alors, je pense pas. J'imagine qu'on peut pas reprendre les mêmes personnages. T'as un champignon. Le champignon aussi, elle a l'air stylé. C'est un support. Ah, ça supporte, ouais. Tiens, si tu fais E, tu peux activer les infos. Ah, bah nickel. Ah, bah oui, j'ai pas activé. Ah, stylé. C'est écrit guerre, tu vois. Okay. Ah, oui, guérisseur, ok. Guerrio, agile, coup, facile. Ah, vas-y. Il est facile, Orendi. Moi, je l'aime bien. Libère une puissante attaque d'énergie. Allez, je choisis Orendi. Oui. Ok, donc on va lire un petit peu les trucs. Et bah, moi, du coup, c'est lui, une puissante attaque qui affiche des dégâts pour puissance. Elle, on a rien de l'intrusion. Ouais, non. Après, je vais prendre un personnage que je n'ai jamais joué. Équipement, okay. Ça a changé. Ok, donc en gros, ouais, c'est du gros zone à haut. Alors, vent d'hiver, c'est super stylé. Ok, bon, donc bah, on est parti. Là. Je connais pas du tout le personnage, mais il est stylé. Le petit lutin. Ah, il y a un petit lutin aussi en face. Ouais, et il y a aussi Ress en face, le okay. Sabreur. On a 4 bras. Alors là, du coup, tu peux commencer à choisir ton pouvoir. Ça a un petit peu lagué. J'espère que ça va charger parce que j'ai pas du tout regardé les graphismes avant. Je sais pas du tout comment ça allait me prendre. Alors, niveau attaque, c'est marrant. Si vous connaissez un petit peu Zenyatta, c'est exactement les mêmes auto-attaques que Zenyatta. Ok, attends, augmentation disponible, comment on fait? Oh, comment on fait? C'est 1? Ah, j'appuie sur 1, ok. Le feu marche, alors ça c'est voilà, c'est l'ADN comme je vous avais dit. On peut choisir entre deux trucs quoi augmenter. Donc le feu marche avec moi. La population. Alors, non. Alors je vais prendre. Non, j'ai choisi. Mais pourquoi j'ai choisi? J'ai pas cliqué. Ah non, mais parce que j'appuie sur Q. Alors, ah oui, sachant qu'il y a des. Il faut péter les. Il y a des cristaux sur la carte, faut les récupérer. Bon, bah tant pis. Mais là en fait, c'est pas un mode normal, c'est un mode je sais pas trop. Oh, j'ai du live, ça va être bien. Ok. Ah. Surveille tes arrières, Battleborn. Okay. Chasseur de tête ennemi détecté. Ok, c'est quoi? Ah. Attention, j'arrive. Ok, c'est ça. Très bien. C'est où les mes amis? C'est là. Ok, je suis un assassin qui tape. Oh là là, je me suis. Je me fais défoncer. Repartons en arrière. Ah bah, je suis mort. Ok, oh putain. Ouah, je viens d'exploser. Ah non. En fait, t'en étais pas du tout mort. Alors, j'ai rien compris. Votre santé est basse et puis sur B pour vous téléporter. Je vais trouver ceux qui ont fait ça. Alors, reprenons. Je vais prendre un. Le 1, c'est ajoute un effet de répulsion à la compétence. Ok. Les ennemis frappés par annulation sont aveuglés pendant un court instant. Mais c'est quoi annulation? Faudrait que je mette en fait, au lieu de 1, 2, 3, 4, faudrait que je change les binds pour mettre le AB. Les touches en fait dans mes. Sur mes touches de souris parce que j'ai une naga. Et comme ça, c'est beaucoup plus simple en fait. Ah oui, en effet. Pour faire les sorts en fait. Comme ça j'aurais pas besoin de bouger mes doigts de ZQSD. Ah oui, y'a un mec qui vient de tout mourir. Ouais, non, il s'est régénéré. Non, oh, je suis grosse merde. Je sais pas viser. C'est là où je peux sprinter aussi. Oh putain. Alors oui, alors lui c'est. Il est où? Il sort où? Oula. Je vois rien, je vois pas la carte. Ah, la carte elle est là-haut à droite. Et du coup, c'est quoi l'objectif? On sait pas. Si, faut récupérer. Alors, faut marquer. Ah, putain de salope! Wow. Récupérer des marques. Bon, ok.
Ok. Le problème c'est que comme là on se fait impulsionner, je pense qu'on est un peu à la bourre sur les niveaux. Ah ouais, ouais, c'est vrai qu'il faut XP pour les niveaux. C'est quoi les minions? Parce que moi j'attaque là, mais je prends rien, je sais pas quoi faire. Pourquoi le mec il attaque ça? C'est quoi? Je comprends rien. Mais je sais plus, il y avait écrit. Alors, reste sur tes gardes. Putain. La sens- je pense que j'ai aussi une sensibilité en fait trop élevée. Ah, ça c'est les minions. Chasseurs de tête. Ah oui, c'est ça. Les chasseurs de tête, c'est des minions. Il me semble. J'ai eu un moins 4. C'est quoi le moins 4? Je vais te perdre l'XP quand je meurs? Non, je pense pas. Non. Je pense que c'est les masques. Parce que j'ai... On a des golds, ça veut dire qu'on peut acheter des armes? Non, enfin des tourelles en fait. Des tourelles, d'accord. Donc on n'a pas d'armes non plus, une vraiment... qui est un poste de ravitaillement. C'est quoi? En gros tu peux construire des tourelles qui soit font des dégâts, soit freeze, soit font des... Enfin plein de trucs en fait. Alors les mecs, j'ai pris un truc. Ah c'est ça! Ah c'est ça! 150 R construire. Ouais c'est ça. Ah oui, je construis un bot chasseur de tête. Ah oui, j'ai construit un chasseur de tête, ça m'a consommé des sous. Ouais, exactement. Et ça c'est quoi ça? Ah ça c'est de la gold. Ok. Je sais vraiment pas viser. Ah non, mais ce soir je crois que je l'ai mis encore. Hein. Ah, je suis passé level 2. Génial. Alors j'ai une compétence disponible. Attends, mettons-nous de côté. Putain, il bouge trop. Oh, vous pouvez dire que je suis vraiment mauvais là, mais non. Ne vous inquiétez pas, c'est que le début. C'est que le début. Faut apprendre le jeu. Oh putain, du monde là. Oh non, je suis mort. Protégeons-moi. Oh là 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 là. Bon, non, c'est la crise. Alors qu'est-ce que je peux choisir? Ajoute un effet de répulsion à la compétence annulation ou les ennemis frappés par une substance aveuglée. Ils sont aveuglés, c'est pas mal l'aveuglement. Préparez-vous à la téléportation. C'est quoi ça? What the fuck? Ouais, ok, y a un boss. C'est quoi ça? Y'a des boss qui pop comme ça? On doit le tuer. Ouais. J'avoue, je sais pas trop là, j'ai jamais fait ce type de... Quand t'as, je t'avais demandé un truc facile, moi, 3 lanes, ah bah, tout ça, tout ça. Le truc standard. Faut croire que c'était pas ce que je pensais. On le défonce les mecs. Y'a sûrement la team ennemie qui est à côté derrière nous. Mais on va le défoncer, on va avoir l'XP. Ils vont pas nous le voler, ils vont pas nous caisse. Et bam, c'est nous qui l'avons. Je sais pas, peut-être. J'ai une idée. Je sais pas. Moi non plus. Ils sont où la team ennemie? Ah là, y'a un mec, la team ennemie. Oh, je suis pas mort. Oh, je suis pas mort, vous avez vu la vie que j'avais? Je suis pas mort. Oh là là là, comment on soigne? C'est pour faire. Pour faire B, je crois. Retour à la salle des gens, okay. Ok. Ouais. Alors, j'ai gagné un autre sort, donc c'est quoi? Alors, on booste beaucoup le A, hein, j'ai l'impression. Gnome, l'activation de l'annulation réduit le temps de recharge de plus de façon. Mais quel retour, les nazes? Ah, donc ça, c'est l'annulation. D'accord, ça va, ok. L'annulation lance Orundi dans la direction qu'elle prend. L'activation de l'annulation déclenche la recharge immédiate de bouclier d'Orundi. Allez. Arrière, Battleborn. Chasseur de tête ennemi détecté. Alors, là vous vous dites, chasseur de tête allié, je vous montre déployé. Un petit peu les sorts en mode YOLO. Et bien vous avez tout à fait raison, c'est exactement ce qui se passe dans ma tête. Mais ça marche. C'est que je ne sais exactement pas ce que je fais. Pas grave. Je sais même pas mes dégâts. Je sais même pas si je tape fort, si je suis... Vous allez voir, je vais avoir 0 dégâts à la fin de game. Oh, ennemi touché 0. Ah tiens, j'ai acheté ça. Ah non, je peux pas l'acheter. Mais alors là, il y a la map. Ah d'accord. Ah, il y a des squelettes jaunes sur la map, vous voyez? Ça veut dire que ça doit être des boss. Parce que là, on est sur un boss. Non, c'est les... Non. Là, y a ça là. Bam. Ah ouais, là on a pris le leurre. Non. Je sais pas. Hop, voilà. Je sais pas ce que j'ai pris. Oh, oulala, y'a un monstre là, y'a un monstre. Ça sent la fin. Non.
Oh, oh, premier kill. Allez. J'ai. Je vais me tuer, hein. Alors, je sais pas, parce que j'ai posé un truc, je sais pas où il faut attaquer en fait, par où il faut attaquer. C'est vrai que là, les legs, c'est un peu bizarre, mais bon. Ouais, non, mais écoutez, en bas dans le tas, c'est tout, hein. Moi, je vais dans le tas. C'est une bonne stratégie. Et voilà, ça souvent, ça marche. Souvent, ça marche, je kill des trucs. Attention. Attention, Bastien, parce que là, elle est forte. Bouclier là. Voilà. Oh putain, oh putain, ouf. Ta mère. T'es pris qui? Tu t'es pris Ruth, je crois. Oh, je l'ai tué? Non. Pas encore. Oh là 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 là, elle m'a défoncé. Et je pense qu'il. Oh, regarde. Ah, il lui restait encore 711 dégâts. Ok. Bon. Il était level combien? Level 5, il était level 4. Manque de level, c'est pour ça. Manque de skill aussi. Alors, ça, c'est quoi? Non, puis t'es tombé non, les... non, mais j'ai encore fait cul. Mais je suis une grosse merde. Putain, qu'est-ce que j'ai pris du coup? Il faut vraiment que je change les. Le pilier de feu sang inflige des dégâts répétés aux ennemis à proximité avant de se déclencher. C'est pas mal. Pendant 5 secondes, après l'utilisation d'un pilier de feu. Ah, ça aurait été stylé. Bon, tant pis, on a pris le 1, le premier. Voilà, tant pis. Hein. C'est pas grave, je pense que les deux sont pas mal. Par contre, mon Z, je sais pas ce que c'est. Je peux pas l'activer, j'ai l'impression. Niveau supérieur, allez. Ouh, ça c'est un ennemi ça. Ah F, ah je peux utiliser mon bouclier. Je comprends rien, je sais pas ce que tout m'en sort en fait. J'appuie sur tous les boutons. Il a eu encore me buter. Oh, j'ai un level encore. Est-ce que j'en ai tué un au moins? Non. Bon, ok. Temps augmente la réduction de recharge d'hypnose. L'activation du pilier de feu sombre réduit le temps de recharge d'annulation. Cet effet ne s'applique pas à l'activer. Allez. Oh, idée. Ok, là je peux prendre un truc. Oh putain. Ah d'accord. Quand on prend un truc, en fait ça fait popper des monstres pour XP. Oh, ok, les sphères. Attends, c'est... Moi, vas-y. Bon, en fait, les sphères que tu peux acheter, là, j'ai posé une sphère, mais ça fait popper des monstres. Comme ça, en fait, tu peux XP. Tu peux XP un peu. Voilà, là, j'ai pas mal XP. Et là, on est où? Ah. Encore dans une faille. Je vais prendre mon sang avant. Allez, hop, on fait pilier de feu sombre. Ok, et F, c'est quoi? Je sais pas ce que c'était. Bon, F. Tant pis. Calamité qui doit frapper notre époque est arrivée. Profitez de vos derniers instants. Le règne des chaos. What? C'était quoi ça? Je suis encore mort. Les gens, aidez-moi, je suis mort. Alors, oh, de toutes les compétences. Toutes les compétences soignent Orendi. Alors ça, j'ai besoin de ça. Moi, j'ai besoin de sustain là. J'ai besoin de beaucoup de système. Par contre, mon F il fait quoi? Je vais essayer de regarder. Mon F il fait rupture paradigme. Orendi invoque une intense rayon d'énergie qui apparaît devant elle, affligeant. Ah, c'est pas un bouclier en fait, c'est vraiment un truc. Ok, de l'infini. Ah, par contre, y'a que un level jusqu'au level 10 maximum. Ça cap level 10. Ouais, je crois. Parce que j'ai vu que l'ADN va pas plus loin. Okay. Non, c'est de... ouais, il semble. Ah, peut-être. Non, je suis pas sûr en fait, je crois que. C'est juste que après, tu t'as plus de. Enfin, ça augmente tes caractéristiques, quoi, mais. Votre équipe a marqué, on se fait défoncer, j'ai l'impression, à la niveau. Ouais, non, on se fait défoncer, mais sinon, on sait pas trop comment on marque. Le règne, c'est mon endroit préféré. Attends. Allez-vous. Bah, il se passe quoi? Oh les salauds! Les salauds, putain, ils m'ont brûlé. J'aurais dû prendre il en fait. Oula, j'ai fait quoi? J'ai tué quelqu'un. J'ai tué quelqu'un, elle m'a tué quelqu'un. Ah non, mais ça, c'est. Je sais pas si c'est un mec ou si c'est une dame ou. Je comprends rien, moi, ça. Ah oui, elle a plus de vie, elle a plus trop de vie là! Allez, Bastien, allez! Oui! Oui, j'ai tué quelqu'un! Ah, c'est le premier kill!
Qui c'est le meilleur, les mecs? Qui c'est le meilleur? Oh, le deuxième kill là! Le mec, c'est le deuxième kill! Bon, c'est pas moi qui l'ai eu. Le deuxième kill d'après le tableau des stats. Oh là 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 là, les. Oh là 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 là! Mais c'est. On l'arrête plus! On ne l'arrête plus! Oh, on peut faire des critiques sans tir dans la tête! C'est bon savoir ça. Alors, ça c'est quoi? Réduit le temps de recharge d'annulation. Le dégât d'annulation perd ses boucliers. Temps de recharge. Moi j'ai besoin de temps de recharge. Ok, je concentre un truc, les mecs. Je sais pas ce que je fais, les mecs. Ok, j'ai concentré un truc. Vous avez marqué des choses. Alors, je sais pas ce que j'ai fait, j'ai activé un truc comme ça. Boum, et voilà. Alors, voilà, on peut voir mes soins. Quantité soignée 216. Vous avez pu voir que ça m'a pas servi. Je suis mort quand même. Mais c'est pas grave. Ok. Donc, il reste 1 minute 34. Bon, alors je pense qu'on va pas pouvoir réussir à rattraper les autres en 1 minute 34. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Là, on est en mode de testage de jeu. Testage de jeu. Là, il y a encore lui là. Je vois pas la différence entre les ennemis et. Alors. C'est un petit peu aussi en mode. En mode. Comment ça s'appelle hein Smite, je trouve. La façon de lancer les sorts. C'est que du skill shot. Ouais, mais Smite est la première personne. Ça, oui, la masse femme Smite en première personne, c'est vrai. Mais tu vois, comme j'arrive pas du tout à lancer mon sort de zone qui explose. Pour ça que. Ah putain, je viens de comprendre, ok, comment ça marche. Je crois que en fait, il faut aller au centre pour marquer les points. Ouais, c'est ça, il faut l'activer en fait. Quand tu l'actives, ça te marque des points. Ouais, mais du coup, moi je tue des monstres, mais j'y vais jamais. Bah ouais. C'est trop, j'ai beaucoup de trucs à mettre. Bon, attends, on va essayer d'y aller du coup. En se faisant pas tuer, c'est mieux. Merde. Oh bah attends, il est pourri. J'ai un ennemi, il a pas de vie. Je vais tuer Wallet, ciao! Ah, c'est marrant! Ah, c'est stylé ça, le 8, le footnote qui est. Bon, ok, les mecs, je pense que j'ai pas pris le bon perso là pour commencer. Défaite, non, sans blague! 412 à 76, on s'est fait exploser! Alors là. Ah, mais j'ai pas réussi à. En fait, j'ai pas du tout compris le truc, du coup, j'ai rien marqué. Ouais, bah écoute, moi non plus, hein. Ah, si, j'ai marqué. Ah putain, 16 quand même. 76 finalement, au dernier. Je sais pas si c'est ça. Ouais, ça, on a 76. Score. Putain, j'ai le meilleur défaite, score. Défaite, 76 à 412. Ouais, ça va, et c'est petite défaite, les mecs, hein. C'est petite défaite, hein. Alors, on se tait, on rigole pas. On se moque pas, c'est petite défaite, voilà. Et y a quoi? Y a moins de 300 entre nous. Alors, j'ai niveau terminé, Brigo. Un joueur a quitté. Hein. J'ai gagné combien d'XP? Eh, c'est pas mal. Rang de personnage. Ah, il y a des rangs de personnage aussi, c'est pas mal. Ouais. Je sais pas à quoi ça sert, mais... Durée du match, gros... 15 minutes. Ok. Mode duel, ok. Ok, très bien. Retour, du coup, j'imagine. Voilà. Bon. Bah voilà, c'était pour la première game. Je vais couper la vidéo là maintenant. Je vais en faire une juste après. Comme ça va pas faire trop lent, parce que là je pense que si je renchaîne sur une game, ouais, la vidéo va sûrement durer assez longtemps, surtout le temps qu'on trouve. Donc voilà, je reviens tout de suite, et pour un nouveau match, en espérant de bah, peut-être on va changer de personnage, ou peut-être on va garder le même, je sais pas, pour voir un petit peu comment mieux le jouer. Mais voilà, sinon, première impression, j'aime bien, mais du coup je vais vous en parler à la vidéo juste après. À toutes.